Le souvenir a beaucoup d'importance dans ce que vous, vous écrivez pour le théâtre ou le cinéma. La mémoire, oui. La mémoire. Oui. Je ne sais pas si les choses sont plus importantes lorsqu'elles ont été vécues ou dans la mémoire. Je ne sais pas encore. Je ne peux pas décider ça. Vous-même, Marguerite Duras, vous avez, est-ce que vous avez passé votre enfance dans une grande ville comme Paris ou dans des petites villes de province? Je suis née et j'ai grandi en Indochine. Je ne suis venue en France que pour l'université, à 17 ans, 18 ans. Est-ce que c'était un climat de petites villes où les gens se connaissent, que vous avez connu? Car on retrouve ce climat dans des films comme Moderato, par exemple. Mais ma mère était institutrice dans des postes de brousse. Il y avait quelques blancs, une vingtaine de blancs. Évidemment, je crois que si je ne peux pas supporter qu'une chose se passe à Paris, c'est que je crois qu'à Paris, il ne se passe rien, dans le sens où la chose ne se passe pas seulement à l'endroit où elle se passe, mais en écho dans son entourage. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il n'y a que la province française qui soit une chambre d'écho valable en ce moment, en France. Mm-hmm. Qu'à Paris, rien n'arrive de romanesque. Vous avez l'impression que ce que vous écrivez, c'est quelque chose de romanesque? J'écris des romans, c'est romanesque. C'est largement entendu. Est-ce que c'est un reflet de la vie, le romanesque, ou c'est la vie transposée? C'est pas un reflet de la vie, parce que je crois que le roman social balzacien, il est mort depuis longtemps. C'est une transposition d'autre chose qu'on peut appeler la vie intérieure. Est-ce que vous pensez que le théâtre, en ce moment, est en train de changer de formule, que le théâtre très verbal ou... Moi, je crois, oui. Je crois que c'est fini, ça. C'est... Il y a des choses qu'il ne faut plus dire, il ne faut plus crier. Et que même les silences, c'est important au théâtre. Ah oui, de plus en plus. De plus en plus. Peter Brook, c'est le metteur en scène, quand il a monté Le Roi Lear, il disait une chose frappante. Enfin, il disait, jusque-là, on faisait l'orage dehors. On entendait le tonnerre, et on voyait les éclairs. Et on a mis des siècles à comprendre que l'orage était intérieur. Vos interprètes féminines, Emmanuelle Riva ou Jeanne Moreau, ou même Claire de Lucas, sont des femmes qui jouent, ou qui parlent, ou qui se taisent, un peu de la même façon. Est-ce que c'est vous qui leur avez indiqué ce... quand elles jouent des choses de vous, en tout cas? Non, c'est peut-être que je l'ai juste choisi à cause de ça. Non, non, j'indique très peu. Je parle du texte en général. Je dis jamais comment il faut le jouer. Sauf dans Hiroshima, peut-être. René m'avait demandé comment je le dirais si jamais j'avais à le dire. Autrement, non. Est-ce que c'est pour vous plus difficile d'écrire un dialogue de théâtre ou de film? C'est pas difficile. C'est pas difficile. Je crois qu'on pourrait faire n'importe quoi. On pourrait se mettre à faire un dialogue pour le dialogue sans aucun sujet, je crois ça. Peter Brook, il avait une idée en tête, il voulait me donner un plateau de théâtre et quatre acteurs. Sans schème, sans thème aucun, n'est-ce pas? Et me faire démarrer sur n'importe quoi, simplement la réplique et la demande. C'était assez intéressant. Ça m'a encouragé ça, à faire du théâtre. Parce que le sujet vous ferait presque peur. Nous charpenter, structurer une action. Il n'y a pas de sujet pur, c'est pas vrai. C'est pas vrai, tout est hybride, toutes les pistes sont brouillées. C'est fini ça, c'est au 19e siècle qu'on le croyait. Je crois qu'un sujet participe de tous les sujets. Quand vous dites il fait beau, vous ne voulez pas seulement parler du temps, vous parlez de vous et encore d'autres choses. C'est une erreur de croire que c'est du temps seulement. Alors quand les critiques regrettent encore le temps où les comédiens leur donnaient des bonnes pièces en trois actes avec un début, une fin et un milieu, est-ce qu'ils parlent d'autre chose que du théâtre? Ben non, ils parlent de leur théâtre. Ils sont vieux.
Et la musique pour vous, qu'est-ce que c'est? C'est important parce qu'on retrouve des titres qui sont des titres de musique, moderato, musica. Ben, c'est le plus important. C'est-à-dire que c'est... si j'avais pu faire ma vie, faire mon destin plutôt, c'est ça que j'aurais aimé faire avant tout, la musique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi. Quand vous allez au cinéma, qu'est-ce que vous allez voir? Je vais voir Godard. Pierrot le Fou. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que c'est difficile, comment vous dire ça? Je crois qu'il a un style, enfin. On l'aime ou on l'aime pas, mais il a un style comme Bergman. Alors, le style, c'est une répétition, ça limite forcément les gens, mais enfin... un art comme le cinéma en a besoin, ça c'est évident qu'il faut qu'il en passe par l'œuvre, la notion d'œuvre. Je ne sais pas si Godard est très intelligent. Je crois pas, mais il a beaucoup, beaucoup de talent. Alors, à l'heure actuelle, il est très difficile au talent de se passer complètement d'intelligence. Peut-être dans le cinéma, voyez-vous. Littérature, c'est fini. Mais dans le cinéma, c'est peut-être. Qu'est-ce que vous voulez dire par c'est fini dans la littérature? On ne peut pas avoir que du talent en littérature. Vous ne vous sentez pas quelqu'un attaché, étiqueté dans un pays? Oh non. Vous ne sentez pas que vous représentez un moment de la littérature française? Oh non. Oh non, jamais. Ni du film français? Oh non, jamais, jamais. Absolument pas. C'est vraiment un hasard. Je suis restée très longtemps en Indochine. C'est une chance, en somme.